Alors, n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires. C'est très important pour nous. Vous savez qu'on n'a pas l'habitude ici, et qu'on a toujours refusé de le faire, de gloser sur l'état de santé, l'état personnel d'une certaine manière, la condition personnelle de Vladimir Poutine. Mais plus... Alors la santé du président russe, ça vous fait beaucoup sourire. Comme sa vie privée sont des sujets tabous en Russie. Dans votre ouvrage, L'Engrenage, vous décrivez un homme de 70 ans qui aurait un cancer, atteint peut-être aussi de la maladie de Parkinson. Vous dites c'est pour ça qu'il s'accroche beaucoup aux tables. Le président russe aurait subi un traitement assez lourd pour guérir son cancer, c'est ça ? Un magazine américain Newsweek qui cite des sources américaines. Vous allez voir que c'est un article qui est assez intéressant parce qu'il est étayé. Déjà, on a trois sources, trois hauts responsables, cette fois du renseignement américain, qui ont tous les trois consulté ce document, un rapport confidentiel publié, rendu fin mai, en tout cas, sur la santé de Vladimir Poutine. Et voici, en recoupant leurs informations, ce qu'écrit Newsweek, le rapport indique que Poutine semble être réapparu après avoir subi un traitement en avril pour un cancer au stade avancé. Vladimir Poutine sera certainement mis à la retraite ou tué d'ici à 6 mois. Vladimir Poutine s'apprête à démontrer sa volonté d'utiliser des armes de destruction massive en procédant à un essai nucléaire aux frontières de l'Ukraine. Le Kremlin décrète un cessez-le-feu de 36 heures en Ukraine à l'occasion du Noël orthodoxe. Vladimir Poutine a ainsi répondu à l'appel du patriarche de l'Église orthodoxe russe, Kirill. Le président russe a chargé le ministre de la Défense d'introduire un régime de cessez-le-feu à partir de vendredi midi et jusqu'à minuit dimanche. Mais avant l'annonce du Kremlin, l'appel du patriarche avait déjà été rejeté côté ukrainien. Un conseiller de la présidence, Mikhailo Podolyak, a qualifié sur Twitter cet appel à la trêve de piège cynique et d'élément de propagande. Lors d'un appel téléphonique ce jeudi, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait aussi exhorté son homologue russe à mettre en place un cessez-le-feu unilatéral en Ukraine. Il s'agissait selon lui de soutenir la mise en place de pourparlers de paix entre Moscou et Kiev. Mais si Vladimir Poutine a bien décrété une trêve, il rejette toujours l'idée de négociation, à moins que l'Ukraine accepte ce qu'il nomme la prise en compte des nouvelles réalités territoriales. Les Ukrainiens, eux, sont bien décidés à ne rien céder. Encouragés par les revers de leur puissant agresseur, ils se préparent à résister à une possible nouvelle incursion depuis le Bélarus. Est-ce que vous soutenez l'initiative française d'envoyer des chars ? Non, je la condamne totalement. C'est une pure folie. C'est le moment de faire une offre de paix. Et si le général de Gaulle ou Jacques Chirac étaient là, je peux vous dire que la France aurait un autre visage. Vous dites qu'il faut tendre la main à Vladimir Poutine ce matin. Aux deux, aujourd'hui. Il faut dire aux deux, stop. C'est la mort du continent européen face à la Chine et aux États-Unis. C'est l'affaiblissement économique pour 20 ans de l'Europe. Et donc, je crois qu'il faut une parole de raison. Ça ne veut pas dire d'être faible. Ça veut dire de dire stop à cette saignée au cœur du continent européen qui signe la décadence de l'Europe. Car le vrai défi, c'est l'Afrique, c'est le Moyen-Orient, c'est la compétition technologique avec les États-Unis et la Chine. Et l'Europe est en train de s'épuiser dans ce conflit fou pour une zone territoriale qui, dans 100 ans, ça sera comme l'Alsace-Lorraine et le Rhin. On se demandera comment on a pu avoir cette guerre civile au cœur du monde slave. Donc, il faut absolument que la France retrouve une politique qui parle au monde. Et je vous rappelle, attention, que tous les pays du monde, Chine, Inde, Afrique, ne soutiennent pas l'Ukraine. Et donc, nous sommes complètement isolés dans ce conflit, contrairement à ce qu'on dit. De multiples accords ont été signés entre la Chine et les Philippines dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route dans des secteurs tels que l'agriculture, les infrastructures, la finance, le commerce électronique et le tourisme.
En accueillant le président philippin Ferdinand Marcos Jr. à Beijing, le président chinois Xi Jinping a déclaré qu'il existait encore un immense potentiel de coopération entre les deux pays. Le président Xi a déclaré que la Chine avait la volonté de travailler sur les différends maritimes par le biais de consultations amicales avec les Philippines, de reprendre les négociations concernant le développement du pétrole et du gaz dans des zones non disputées et de mettre en place une coopération concernant les énergies renouvelables. La Chine continuera également d'importer davantage de produits agricoles et de la pêche de haute qualité en provenance des Philippines et dans le même temps à soutenir les investissements chinois dans le pays. Le président chinois a également parlé de son appréciation de l'ancien président Marcos, père de l'actuel président, qui a aidé à initier les relations bilatérales il y a 48 ans. Le président Marcos Jr., qui effectuait sa première visite bilatérale dans un pays non membre de l'ASEAN, a déclaré que les Philippines accordaient une grande valeur à leur lien avec la Chine. Parlant au président chinois, Marcos a déclaré que la Chine était le plus grand partenaire des Philippines et que rien ne pouvait empêcher cette amitié ni le développement entre la Chine et les Philippines. Il a également fait part de son appréciation de l'aide offerte par la Chine durant la pandémie de Covid-19. Il a ajouté que les Philippines étaient ouvertes aux touristes chinois et qu'il espérait davantage d'échanges de personne à personne. L'Iran a annoncé hier la fermeture de l'Institut français à Téhéran. C'est la première mesure de rétorsion contre la France après la publication par Charlie Hebdo de caricatures du guide suprême de la Révolution. Oui, l'Iran avait averti que la publication de ces caricatures ne resterait pas impunie. Caricatures jugées insultantes et indécentes. L'ambassadeur de France à Téhéran a été convoqué avant-hier soir au ministère des Affaires étrangères. Il lui a été signifié que l'Iran ne permettrait pas au gouvernement français de dépasser les bornes, comme si le gouvernement français était responsable de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. On imagine que l'ambassadeur français a tenté d'expliquer aux Iraniens la notion d'indépendance de la presse, mais visiblement le message n'est pas passé, puisqu'hier une première sanction est donc tombée, la fermeture de l'Institut français de recherche en Iran. C'est un centre culturel et scientifique qui existe depuis 1897. Le communiqué officiel iranien précise que cette sanction n'est qu'une première étape. Que peut-on lire dans ce numéro de Charlie Hebdo qui aurait donc rendu les Iraniens furieux ? Alors c'est le numéro qui est actuellement en kiosque et qui est un numéro anniversaire puisque cela fera demain 8 ans que Charlie Hebdo a été victime du terrible attentat. Alors donc pour l'occasion, le journal a lancé le mois dernier un concours international de caricatures du guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei. 300 dessins ont été envoyés du monde entier et les meilleurs sont donc publiés dans ce numéro spécial. C'est évidemment une manière de montrer, je cite, le soutien du journal aux Iraniennes et aux Iraniens qui mettent leur vie en jeu pour défendre leur liberté face à la théocratie qui les opprime. Le gouvernement tchadien a confirmé qu'il y a effectivement eu une tentative de coup d'État en décembre. Dans un communiqué rendu public jeudi, N'Djamena a annoncé avoir déjoué une tentative de déstabilisation visant à porter atteinte à l'ordre constitutionnel et aux institutions de la République. Selon les autorités, les services de sécurité ont procédé à partir du 8 décembre à l'arrestation d'11 soldats de l'armée, dont le président de l'Organisation tchadienne des droits de l'homme, Baradin Berdey Targio. Le défenseur des droits de l'homme est connu au Tchad notamment pour ses critiques à l'égard du chef de l'État et du régime sur les réseaux sociaux. Lui et les 10 autres personnes interpellées ont été inculpés sous 3 chefs d'accusation, à savoir atteinte à l'ordre constitutionnel, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et complicité, a annoncé le ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement. Et ce matin, vendredi oblige, vous nous faites le bilan d'une première semaine de l'année que vous avez trouvée hautement confuse. Oui, qui aurait pu prédire, Philippe, qu'en pleine semaine de vœux, la mise en scène médiatique de la parole politique aurait pu se montrer à ce point confuse. Partout dans le monde, les dirigeants se sont allègrement emmêlés les pinceaux. Et en France, Emmanuel Macron n'a pas fait exception. Les cérémonies de vœux ont ceci de singulier. Elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité on ne connaît pas. Sans blague, le climat tout court lui a joué des tours, mais le climat économique et social bien davantage. Le coup de pression a été mis ce matin par le chef de l'État devant les boulangers. Refroidi par la colère des boulangers, le président de la République a voulu mettre en scène devant la presse son agacement. J'en ai, comme vous, assez qu'on ait des gens qui, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui a chaudement emboîté le pas en dénonçant des profiteurs de crise. Et aujourd'hui, je le dis clairement,
les fournisseurs n'aident pas suffisamment les boulangers et les PME. Et je demande aux fournisseurs d'énergie de faire plus, de faire mieux, et de le faire tout de suite. Ces mots-là, les accusés leur ont répondu devant les caméras. Confusion. Vous confondez, leur a dit par exemple le co-fondateur de la marque EcoWater, un vendeur d'électricité. Vous confondez les lois de la communication politique avec les lois du marché économique, sur lequel les prix sont libres, puisque c'est pas de bol. Le secteur de l'énergie a été entièrement privatisé. Si aujourd'hui j'ai fait un prix, disons, de 500 euros auprès d'un boulanger, c'est que moi je l'ai acheté à 495. Si on me demande de faire un geste commercial et de passer ce prix de 500, disons, à 280, la question c'est qui va payer ? Bonne question. Mais la plus vive confusion, on la doit cette semaine, Philippe, au régime iranien. Pas content. Après la publication par Charlie Hebdo d'une série de caricatures de l'ayatollah Khamenei, le ministre des Affaires étrangères s'est fendu hier d'un tweet très menaçant qu'a traduit l'émission Quotidien. Nous ne permettrons pas au gouvernement français de dépasser les bornes. Il a définitivement opté pour la mauvaise voie. Un tweet qui illustre donc qu'au sommet de l'État iranien, on confronte très allègrement un petit journal satirique avec la volonté du gouvernement français. Un détail qui n'a pas échappé à Catherine Colonna, notre ministre des Affaires étrangères, à nous, qui l'a parfaitement dit à LCI. Rappelons simplement qu'en France, la liberté de la presse existe, contrairement à ce qui se passe en Iran. L'Iran, qui pendant qu'elle s'offusque donc de moqueries réalisées à petits coups de crayon, continue d'exécuter à grands coups de sabre toutes celles qui ont l'audace de vouloir libérer leurs cheveux. Depuis le début de la révolte, mi-septembre, 13 personnes ont été condamnées à la peine capitale. L'Iran, qui aura donc réussi cette semaine 8 ans, quasiment jour pour jour après l'attentat qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015, a ravivé la haine contre de simples dessinateurs de presse. Il est des semaines, cher Philippe, où l'on reste confondu devant les funestes destins des saints de l'actu. Les médecins généralistes ont manifesté ce jeudi à Paris, point d'orgue d'un mouvement de grève entamé après Noël pour réclamer un doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Objectif, créer un choc d'attractivité pour un métier qui peine aujourd'hui à séduire les jeunes, ce qui risque d'aggraver la problématique des déserts médicaux. Dans un récent rapport, 11% des Français âgés de plus de 17 ans n'ont pas de médecin traitant attitré. Le gouvernement a critiqué ce mouvement alors que les services d'urgence sont débordés par une triple épidémie de grippe, Covid et de bronchiolite. Il y a l'hôpital et le service public et il y a la médecine libérale. Et vous, vous souffrez de quoi fondamentalement ? On souffre déjà de ne pas être écouté. Je suis terrifié d'entendre sur votre antenne, comme sur tous les plateaux télé, que le problème date d'il y a un, deux ou trois ans. Moi, j'étais interne en 2010 à Chartres, donc il y a 12 ans, et les brancards, ils étaient déjà dans les couloirs. Et j'ai appris la médecine avec des dossiers dans les mains, sans savoir où étaient les patients dans le service. Et je vous parle de ça en 2010. Donc je suis abasourdi d'entendre des discours à longueur de journée par les instances, les politiques et aussi par des médecins qui nous disent que le problème est structurel depuis 2 ou 3 ans. C'est mentir à la population. Moi, j'ai été formé comme ça. Les brancards étaient déjà dans les couloirs en 2010. Donc c'est un problème qu'on crie depuis 10, 15, 20 ans. Donc déjà, il faut dire ce moment de vérité. Mais c'est scandaleux aussi, c'est scandaleux. Ce n'est pas un problème depuis 2-3 semaines. Nous sommes d'accord. Au niveau de la médecine libérale, il ne faut pas opposer médecine libérale et médecine hospitalière. Oui. Il ne faut pas opposer les salariés aux non-salariés, etc. On est tous dans le même bateau et on est tous là pour soigner. Que disent les médecins libéraux ? Alors, on n'a pas déposé les stéthos lundi, on s'est pendu avec un stétho. Pourquoi on s'est pendu avec un stéthoscope ? Parce que ça représente l'asphyxie qu'on a par ce paquebot qui est ingouvernable, qui est le ministère de la Santé, et cette charge administrative qui est trop lourde. Nous n'avons aucune revendication salariale dans le département. C'est l'Union des médecins de Haute-Loire. Nous avons fait une liste de propositions que personne n'écoute. Ce sont des remontées de terrain, ce sont des propositions que les médecins mettre sur la table pour pouvoir accueillir plus de patients et surtout mieux soigner les gens et pouvoir augmenter leur patientèle sans aucune demande de revalorisation salariale, sans jeu syndical, puisque nous ne sommes pas un syndicat. Ça, on laisse ça aux syndicats, ça les regarde, ils sont là pour ça. Nous, on n'est pas à la table des négociations. C'est quoi vos propositions, puisque vous dites que ce n'est pas le problème de revalorisation, le problème de mieux recevoir, de mieux soigner, etc. C'est quoi concrètement vos propositions ? Concrètement, c'est libérer le temps de soins de la journée, libérer la charge administrative. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'actes qui sont réalisés à l'heure actuelle par les médecins
administratifs. Pardon, c'est des médecins généralistes. Oui, l'État leur fait faire de la médecine administrative, mais c'est des médecins généralistes. Oui. Je me trompais. Libérer tout ça pour que ça libère du temps de consultation et qu'ils puissent soigner. C'est-à-dire l'arrêt des bons de transport. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 9 ans d'études pour faire un bon transport. L'arrêt des renouvellements d'ALD, l'arrêt des certificats pour la pétanque, l'arrêt des certificats pour avoir le droit de boire un verre d'eau en classe. L'arrêt de tout ça. Quand vous libérez, c'est 1 à 2 heures de consultation par jour qui ne servent à rien. On a fait des propositions concrètes sur les arrêts de travail. Si vous traversez la frontière et que vous allez en Suisse ou vous allez dans des pays nordiques, quand vous êtes jeune entre 18 et 65 ans et que vous n'avez pas de comorbidité, vous pouvez vous auto-déclarer un arrêt de travail. Comme vous avez fait pendant le Covid. Donc le système, il existe. Vous voyez, ce qu'on propose, ça coûte zéro en termes pour la collectivité et ça ne rapporte pas plus aux médecins, on n'a pas de revendication salariale. Mais par contre, au lieu de boucher les maisons médicales, au lieu de boucher des urgences, au lieu de boucher des médecins traitants parce qu'on a une gastro, eh ben, on s'autodéclare 3 jours d'arrêt de travail et point barre, c'est fait. Et ça, ce sont des mesures de bon sens et ce sont des choses qui marchent à l'étranger. Ça marche à l'étranger. Donc moi, c'est pas issu de mon cerveau fécond, c'est de la bibliographie internationale de choses qui marchent. Donc pourquoi on ne le fait pas en France? Il y a juste à claquer des doigts, le système il existe, il est prêt, vous l'avez fait pendant le Covid, vous pouviez vous déclarer tout seul. Donc on n'a même pas à faire de l'IT, de l'informatique, etc. C'est déjà en place. Attendez, docteur Côté, mais pourquoi quelqu'un ne fait pas le ménage et le courage de faire le ménage? Si eux n'ont pas le courage, alors ce sera jamais personne, ce sera toujours la fuite de responsabilité, docteur Côté. C'est un système qu'on a choisi depuis belle lurette. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Que la France soit gouvernée par des technocrates. Et bien qu'est-ce qu'on fait? C'est au président de la République de taper du poing sur la table et de réformer tout ça. Oui, bah écoutez, bonne chance. Oui. Mais moi, j'ai pas un problème avec tel ou tel président. Qui disait que quand on était ministre, on se taisait ou on démissionnait, on fermait sa gueule, on démissionnait? Oui. Il y a un président, il y a un chef, il y a quelqu'un pour gouverner, pour nous emmener quelque part. Oui, sait très bien que les instances sont bloquantes, les ARS sont bloquantes. Dans mon département, on a 70 lits libres à l'heure actuelle qui sont vides parce que l'ARS les bloque pour raisons administratives alors qu'on pourrait mettre des patients. Ben voilà, 70 lits, c'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État, l'administration bloque. Mais je vais vous dire, vous parlez de ministres qui démissionnent, qu'ils aient au moins le courage de démissionner pour dire on n'accepte pas cette situation. Docteur Côté, tant que vous n'aurez pas des responsabilités incarnées, rien ne se fera, on sera là, on parlera, on décidera, mais rien ne se fera. Il y a de nouveau un appel pour manifester donc ce week-end. Nous sommes avec Maxime Nicole. Maxime Nicole, c'est l'un des initiateurs de ce mouvement des Gilets jaunes il y a 4 ans, qui est avec nous. Bonjour Maxime Nicole. Bonjour. Bonjour. Qu'en disent les figures historiques dont vous faites partie, Maxime Nicole? Écoutez, je comprends complètement que les gens aient envie de se remobiliser d'une certaine manière, que ce soit dans la rue ou autrement d'ailleurs. Mm-hmm. Il y a aussi des appels à la grève, il y a aussi différents types d'actions qui commencent à émerger et à se voir le jour un petit peu sur les réseaux sociaux, mais aussi au sein des discussions à droite et à gauche dans tous les secteurs socio-professionnels, parce que évidemment, j'en vois l'augmentation du prix de l'énergie, l'augmentation du prix des matières premières, la baisse de leur pouvoir d'achat, tout un tas de paroles gouvernementales qui avaient été posées et qui n'ont pas été respectées. Je pense par exemple à la réforme des retraites qui est discutée et qui sera sûrement passée à coup de 49.3 comme les 10 autres derniers 49.3 qui ont été utilisés. Et beaucoup de gens, après 2 années de Covid, je parle des petites entreprises qui ont subi 2 années très très difficiles, voient aujourd'hui leur situation se dégrader à cause de l'augmentation des tarifs. Hier, je discutais avec quelqu'un qui est éleveur en montagne dans les Alpes, qui a vu l'augmentation des matières premières passer de 50%, 56% sur certaines. On est passé même à un autre stade aujourd'hui. Et malgré tout, on ne sent pas effectivement une mobilisation comme il y avait eu à votre époque. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une déception sur ce qu'avait donné le mouvement. Alors, je suis pas certain que ce soit lié à une déception quelconque. Non. Et effectivement, je pense qu'il y a une sorte de déception parce qu'on a tous
espérer que, parce que quand on est sorti dans les rues, effectivement, on parlait du prix des carburants, on parlait des taxes, etc. Mais c'est très, très vite passé à un autre niveau. C'est-à-dire qu'on a très vite compris que s'attaquer à des conséquences, c'était bien, mais ça réglerait pas la cause des problèmes. Mmh. Et la cause des problèmes, comme ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est quoi? C'est que on a une constitution française qui protège des politiciens et qui nous empêche d'avoir des contre-pouvoirs et de pouvoir interagir au niveau législatif et de pouvoir les empêcher potentiellement de faire des réformes qui détruisent nos acquis sociaux et qui s'attaquent à nos institutions. Ouais. Maxime, donc, aujourd'hui, les gens, juste pour répondre à votre question, si effectivement on constate une mobilisation qui paraît moins forte, c'est aussi parce que il y a eu 10 000 arrestations préventives, 1 000 peines de prison, 5 000 blessés, 33 personnes éborgnées, 7 mains arrachées, et que les gens aujourd'hui se disent, si je vais en manifestation, voilà ce que je peux potentiellement avoir comme réponse du gouvernement, qui aujourd'hui a commandé des véhicules blindés, des grenades par millions d'euros, et qui se prépare à des mouvements sociaux d'ampleur, puisque les renseignements généraux français font des notes de service régulièrement, entre autres en parlant d'une possible crise sociale d'ampleur. Ils parlent d'effet de gilet jaunisation de la société, parce que tous les secteurs socio-professionnels sont touchés et la colère commence à se transformer en rage. Ouais. Et potentiellement, la rage, on a du mal à la contenir, je pense. Oui, Maxime Nicole, encore quelques questions avec vous. Est-ce que vous êtes justement impliqué dans cet appel et est-ce que vous allez manifester, vous? Alors moi, j'ai déjà depuis un an pris du recul sur les manifestations proprement parlées. Mon engagement, il a évolué, mes méthodes d'action ont évolué. Mais évidemment, je soutiens les gens qui ont manifesté, qui lanceront des appels à la grève. Et j'espère d'ailleurs que cet appel s'étendra à tous les secteurs socio-professionnels, que ce gouvernement arrête de jouer avec la vie des gens, avec l'argent public, avec les institutions, avec les belles paroles. Là, on parle de... Quand je vois par exemple les boulangeries qui sortent des chiffres en se disant que 80% des boulangers potentiellement pourraient être amenés à mettre la clé sous la porte avec l'augmentation de l'électricité, on parle de 80%, c'est joli sur le papier, mais c'est des vies humaines, c'est des hommes, des femmes, des enfants qui vont se retrouver dans des situations de précarité incroyables, voire potentiellement ça pourrait être assimilé de la mise en danger de la vie d'autrui, parce que c'est des gens qui potentiellement pourront ne plus soigner, ne plus nourrir en plein milieu d'hiver. C'est pas vraiment très protecteur comme Et Maxime Nicole, ce que disent certains gilets jaunes qui m'ont transmis ça, c'est que il y en a qui craignent une récupération politique d'un côté ou de l'autre, extrême gauche ou extrême droite par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils ont tout à fait raison. C'est quelque chose pour lequel il y a eu beaucoup de tentatives par le passé dans ces 4 dernières années pour le mouvement des gilets jaunes. On a tous, quasiment tous en tout cas, personnes médiatiquement impliquées, été contactées par différents partis politiques qui ont tenté de nous proposer des postes. Moi, je pense par exemple à Joachim Sonneforger, qui à l'époque créait un parti pour les européennes et qui m'avait appelé en me demandant si de participer à ça. Excusez-moi. Ouais. Ah bah c'est le matin, c'est normal, hein. Ouais. Et voilà, c'est ça. Ouais. Mais oui, effectivement, je pense que c'est tout à fait normal de craindre une récupération politique. Et ce que je voudrais faire passer comme message aux gens qui pourraient encore avoir un petit peu de confiance au système politique, c'est l'article 27 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul, donc que tous vos élus et tous vos ministres et tous vos députés n'ont aucune obligation de faire ce pour quoi ils ont été élus. Il n'y a pas de mandat révocatoire qui existe, malheureusement, donc on ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Et je pense que par constat, et ce de façon répétitive, à chaque fois que vous attendez qu'un politique fasse ce pour quoi il a été élu, vous attendez 5 ans et vous redonnez un bulletin dans une urne pour élire quelqu'un d'autre qui potentiellement le fera à sa place parce que l'autre l'avait pas fait. Certains disent les boulangers, c'est un mouvement, je schématise très vite, mais d'extrême droite, quoi. Éric Nolot. D'abord, pour les colères, elles ne sont pas toutes de la même nature. Il y a des colères qui viennent de très loin. La déliquescence du secteur hospitalier, par exemple, ça fait des années que des alertes étaient lancées. Les restaurateurs et les boulangers, c'est lié à des crises plus récentes, la crise du Covid et la crise de l'énergie. Mais je comprends pas très bien cette assimilation des boulangers à l'extrême droite, parce que la crise de la boulangerie... Le poujadisme, Oui, c'est ça, mais la crise de la boulangerie, c'est quoi? Il y a d'abord un drame qui est
entraîner la faillite en elle-même de milliers de petits commerces. Ensuite, il y a un enjeu territorial. Il y a des coins en France où la boulangerie, c'est l'un des derniers commerces, ou peut-être le dernier commerce. Et ensuite, je regrette, mais tradition, c'est pas un vilain mot. Civilisation, c'est pas un vilain mot. La baguette, c'est un symbole de la France. Je vois pas en quoi c'est risible. Mmh. Elle a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça fait partie d'un art de vivre. Moi, je trouve ça très bien de pouvoir manger du bon pain, d'aller chez un boulanger. Mmh. Je trouve que ça fait partie de la qualité française. Si maintenant le mot tradition égale extrême droite, si le mot civilisation française égale extrême droite, alors oui, le problème des boulangers est d'extrême droite. Moi, je ne le crois pas. Il n'a pas échappé que un des grands gimmicks, un des grands réflexes pavloviens de la classe dirigeante, quand vous la critiquez, c'est de mobiliser les valeurs républicaines. Vous êtes contre les valeurs républicaines, en dehors du pacte républicain. Et quand vous grattez cette notion, vous découvrez quoi ? Vous découvrez qu'en fait, il s'agit, dès lors que vous contestez le fait de brader les intérêts français au profit de l'Allemagne, de détruire la démocratie directe au profit de cette espèce de folie bureaucratique européiste, où il n'y a plus de démocratie directe, puisque vous votez pour des gens qui n'ont plus le pouvoir de décision, si vous contestez ça, autrement dit, si vous en appelez aux racines de la démocratie de la République, on vous dit que vous êtes contre les valeurs de la République. Après, les gens, on dit, sont en colère. Ah bah oui, ils sont effectivement, puisqu'il n'y a rien de plus inique quand vous êtes victime de quelque chose, on vous arrache votre démocratie, parmi d'autres choses. Et après, on vous reproche d'être contre la démocratie, puisque vous luttez contre ça. Mais il n'y a rien qui rend plus fou que l'injonction contradictoire. Et si on revient sur les boulangers, bah évidemment que les boulangers sont complètement fous, puisqu'ils ont choisi un métier où ils voulaient être indépendants, sont des artisans, c'est une trace aussi d'indépendance, et maintenant ils en sont réduits à quémander des aides. Pourquoi ? Parce que le gouvernement s'est lancé dans une folie absolument délirante de marché européen d'électricité, parce qu'il a fermé les centrales nucléaires, parce qu'il n'a rien prévu, et qu'ensuite, maintenant, ils en sont réduits à tendre la sébile, et en plus ils se font attaquer et traiter d'extrême droite. Bah, je comprends qu'ils soient fous, oui. Bonjour Marc Gauthier. Bonjour à vous tous, merci de me recevoir à nouveau. Alors Marc Gauthier, effectivement, une décision du Conseil d'État par un arrêt du 29 décembre 2022, donc il y a quelques jours, le Conseil d'État rejette les recours contre l'obligation vaccinale contre la Covid-19 et le pass sanitaire, puisque effectivement il y a eu énormément de requérants qui ont dit mais écoutez, le pass sanitaire c'est déjà fini, l'obligation vaccinale aussi. Eh bien pas du tout, dit le Conseil d'État, voilà, c'est valide. L'idée. Et alors, je sais que ça allait vous faire réagir. Marc Gauthier, vous êtes juriste, vous êtes membre des 300 qui veulent leur réintégration, notamment, effectivement, des soignants. Voilà, la situation globale au niveau planétaire est juste, pour moi et pour beaucoup d'autres, juridiquement, un peu de la folie, pour dire les mots tels qu'on les pense. Parce que les obligations légales de vaccination ont été faites sur des produits qui sont toujours en essai clinique, d'une part. Donc en expérimentation, voilà. Donc ça, c'est nié par personne, sauf, si ma mémoire est bonne, par Olivier Véran lui-même, qui avait dit que les premières données de la phase 3 étaient disponibles et que, sous-entendu, les essais cliniques s'étaient terminés et circulés, il n'y avait rien à voir. Bien sûr, ceci n'existait pas, sauf dans son cerveau à lui fertile. Mmh. Non, les essais cliniques se poursuivent bien, les dates ne sont pas encore arrivées à échéance. Et C'était fin 2023 pour Pfizer, je crois. Ouais, c'est ça. C'était mai 2023 et en fonction du rapport d'études, ça peut aller jusqu'à décembre 2023 pour Pfizer, d'accord, qui est effectivement celui qui est le plus proposé, on va dire, à la vaccination, si on peut utiliser le mot proposé. Mais la situation réellement appelle énormément d'observations de notre part. Donc je vous propose aujourd'hui d'en voir quelques-unes, parce que je peux vous assurer que nous sommes nombreux parmi les juristes, les avocats, les professeurs, les docteurs en droit à nous arracher les cheveux. Littéralement, on s'arrache les cheveux, carrément. Ouais. Parce que jamais on n'aurait cru cela possible. Jamais on n'aurait cru cela possible. Alors justement, la décision qui a été rendue par le Conseil d'État il y a quelques jours, en gros, balaye d'un revers de main tout ce qui était argument des différents requérants. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise parce qu'en fait, depuis le début de cette histoire, le Conseil d'État nous habitue à ce genre de revers de main. Là où c'est beaucoup plus, on va dire, inquiétant, et on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission, c'est vraiment les concepts qui se cache derrière tout ça, à savoir, sommes-nous dans un réel état de droit, on va dire très vertueux, dans une belle démocratie propre. On en reparlera en deuxième partie de l'émission, parce que c'est très lié, le juridique, à la science politique. Et là, dans un premier temps, ce que je peux vous proposer déjà, c'est de voir, on avait déjà un petit peu abordé le sujet ensemble la fois dernière, début décembre, le caractère un petit peu justement expérimental de ces produits.
Donc les essais cliniques ne sont pas arrivés à échéance pour les fabricants de vaccins, certes. Nous avons en droit énormément de textes qui nous disent que tant que ces essais ne sont pas terminés, bon bah ce sont toujours effectivement des produits expérimentaux. Bon, d'accord. Les gens viennent nous dire ensuite, oui mais attendez, nous avons eu des autorisations de mise sur marché conditionnelles qui ont été délivrées pour injecter ça à la population. Certes, nous répondons certes, sauf que la seule chose qui retire un caractère expérimental à des médicaments, à des produits, c'est la fin des essais cliniques, et pas autre chose. Et d'ailleurs, vous avez une directive européenne, qui est la 2001, je l'avais déjà cité, /20/CE, donc de l'Union européenne, qui indique bien, alors certes dans le cadre des essais cliniques, mais qui indique bien que même les produits ayant reçu des autorisations de mise sur marché, conditionnels, sont considérés toujours comme des médicaments expérimentaux. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de quiproquo possible. Et cette directive est en vigueur, et elle sera en vigueur jusqu'au 31 janvier 2025, avec un règlement européen qui est censé prendre sa place, qui est rentré en vigueur aussi, là dernièrement, pour le 31 janvier 2022, si ma mémoire est bonne, ou à un mois près. Donc ce qui se passe, c'est que même si vous considérez que l'on reste dans le cadre d'essais cliniques, vous savez, encadrés avec des laboratoires, etc., avec tout un tas de formulaires, de protocoles à suivre, c'est quand même étrange que, pour les essais cliniques, on vous dise bien qu'un médicament qui a une autorisation mise sur le marché reste expérimental, alors qu'en population générale derrière, où les gens se prennent le même produit dans le bras, on leur dit que bah non, là c'est plus un médicament expérimental, et donc du coup, il n'y a pas de protection qui vous est accordée. Mmh. Et la protection dont je parle, c'est le consentement. Lorsque vous êtes participant à un essai clinique, il faut votre consentement. Ben, on l'a, le consentement. Les gens sont allés, on les a pas emmenés revolver dans les reins pour aller se faire vacciner. Alors, si vous parlez de la population générale, ça se discute, puisque vous avez déjà une obligation, vous savez, légale de vaccination pour les soignants, les pompiers, les militaires. Ça, c'est un des aspects très importants du problème. Hein. C'est une partie de la population. Oui, mais sauf que l'autre partie, qu'est-ce qui s'est passé, André? Vous vous souvenez bien? Passe sanitaire et ensuite passe vaccinale. Ce qui correspond en fait à une coercition sournoise pour forcer les gens à aller se faire injecter un produit. Et lorsqu'on entendait à la télévision, sur les plateaux grand public, que certains souhaitaient même que les non-vaccinés n'aient plus accès aux magasins alimentaires, ça commençait sérieusement à ressembler à certaines périodes sombres de l'histoire. Mmh. Heureusement qu'ils n'ont pas été jusqu'à là. Non, pas été jusque-là. Mais si on reste sur l'obligation, André, reste vraiment sur l'obligation légale de vaccination pour une partie de la population. Pour une partie de la population, oui. Voilà, sachant que dans le monde entier, il y a pas mal de pays qui ont fait ça. Parfois, c'était pas en fonction de votre profession. Non. C'était la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ils sont allés beaucoup plus loin que nous. Et voilà, tout à fait. À partir de 18 ans, d'autres pays ont même fait que les enfants entre 5 et 12 ans. Je crois que d'ailleurs, de mémoire, c'est le Costa Rica. Enfin, il y a vraiment eu des choses très, très variées qui ont été faites. Sauf que nous, en Union européenne, on sait très bien reconnaître un produit expérimental, que ce soit dans le droit de l'Union ou dans le droit français. Lorsque vous avez des directives européennes, comme celle que je vous ai citée, qui certes, dans un premier temps, s'appliquent aux essais cliniques purs, en fait, on ne peut pas considérer qu'elles ne s'appliqueraient pas à la population générale. Pourquoi ? Parce que ça reviendrait à conférer moins de protection à la population, qui est soumise à une obligation de vaccination et où donc on ne demande pas le consentement, alors que les participants à essais cliniques, eux, seraient protégés. Oui, je comprends. Et là, on parlait de ces populations soumises à l'obligation vaccinale, bien sûr. Alors que quand vous regardez les traités internationaux, et là je parle au-dessus même de l'Union européenne, par exemple je pense au pacte international relatif aux droits civils et politiques dans son article 7, qui ne fait pas d'ailleurs de distinction entre participants à essais cliniques ou pas participants à essais cliniques, qui vise en fait tout le genre humain, aussi bien la lettre des traités que l'esprit des traités, qui est un système de protection des droits de l'homme, de la dignité de la personne humaine, ce genre de choses. Si vous considérez que la directive que je viens de vous citer tout à l'heure, par exemple dans l'Union européenne, ne protège que les participants aux essais cliniques, vous avez un problème de rupture de logique fondamentale. Puisque en fait, l'esprit des traités est violé. Ceux qui sont protégés, c'est l'espèce humaine, c'est le genre humain, il n'y a aucun doute quand vous lisez par exemple ce pacte. Et quand vous regardez la convention Oviedo qui traite de biomédecine, de bioéthique, certes, vous avez des articles, par exemple, je pense de tête à celui qui est à l'article 16, qui pourrait éventuellement, effectivement, cibler des gens particulièrement dans les essais cliniques. Mais encore une fois, si vous donnez moins de protection à des participants qu'à une population générale derrière qui se prend, encore une fois, le même produit dans le bras, vous êtes en rupture de logique juridique. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Vous voulez dire qu'il y a une illégalité de fait dans cette histoire? Ouais, et pas uniquement de fait. En fait, vous avez même, au niveau des juristes, on a un problème, si vous voulez, ce n'est plus en cohérence avec le but, avec la finalité des textes et des esprits des textes. Le problème, il est là. D'accord. Quand les gens ont fait les pactes internationaux à l'ONU et ailleurs, ce qu'ils voulaient, c'était
c'est pas uniquement protéger bien évidemment les participants aux essais cliniques, il voulait protéger tout le genre humain. Pourquoi ? Parce que tous ces textes ont été faits après la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis ont fait des expériences particulièrement sauvages et cruelles sur le genre humain. Et c'est pour ça qu'après vous avez le code de Nuremberg et ce genre de choses qui sont venues. Alors, comparaison n'est pas raison, il faut pas dire que nous sommes dans le même régime, parce que ce serait vraiment plus qu'excessif, ce serait faux.